c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez le méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, soyez tous les bienvenus sur KMT Télévision, Canal Martinique Télévision, pour une nouvelle émission. Parole bon Dieu, c'est la première ou la deuxième émission en 2023, je ne sais plus, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est la première émission en 2023, que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Je suis très heureux de vous retrouver, par la grâce de Dieu, nous vivants, nous en bonne santé. Ça nous a demandé, bon Dieu, c'est tout simplement que nous demeurer en grâce, lui. Alléluia. Et que nous toujours aller toujours plus loin, toujours plus fort et toujours plus haut. Et que nous aller de l'avant par la grâce de Dieu et que nos progrès soient évidents. En tout cas, je vous souhaite pour cette nouvelle année, bien sûr, beaucoup de santé. La santé, qui mounkaba la santé, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui te donne la santé, le mouvement, la respiration et l'être. Qui est-ce qui te donne la joie? C'est l'Éternel Dieu qui te donne la joie, qui te donne de bonnes nouvelles, qui permet réellement qu'il y ait un joli smile, un joli sourire sous tes lèvres, un joli sourire sous ton visage. Qui est-ce qui te donne le bonheur? C'est l'Éternel Dieu qui donne le vrai bonheur. Un bonheur qui n'est pas éphémère, mais un bonheur qui descend du cœur de Dieu parce qu'il va te... combler, parce qu'il va te satisfaire, parce qu'il va répondre à tes prières, parce qu'il va te guérir à toi qui es malade, parce qu'il va ouvrir pour toi une porte, la porte qui est fermée depuis longtemps. Dieu va l'ouvrir et il va te permettre d'entrer dans cette porte et de sortir, toi sortir de cette porte et entrer dans de verts pâturages afin de boire l'eau limpide, l'eau claire qui sort du trône de Dieu. C'est l'Éternel Dieu dans sa grâce et dans sa miséricorde qui est disposé à te bénir, qui est disposé à te faire du bien, qui est disposé vraiment à te combler. Parce que notre Dieu, il est amour. Notre Dieu, il est miséricorde. Notre Dieu, il est pardon. Il est amour, il est miséricorde. Il est compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté. Qu'est-ce qu'il a encore? Il est merveilleux, il est sensationnel, extraordinaire. Il est puissant, il est glorieux. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu victorieux. C'est un Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, Adonai, c'est au nom de Yeshua, ton Fils, le Messie, que je me présente devant toi aujourd'hui, afin de te recommander la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, tous ceux qui nous regardent en l'autre bord, que la grâce, bon Dieu, à sous-hôte, qui bénédiction l'Éternel à sous-hôte, que la grâce et la paix de Dieu soient dans votre foyer, et que vous puissiez réellement rechercher l'Éternel, chercher encore à le connaître, à chercher encore à s'approcher de lui, à entrer dans ses sentiers, à vivre l'Évangile, à faire des expériences avec Dieu, afin que votre foi puisse grandir. Je te rends grâce en ce jour pour ta parole et pour les cœurs que tu as déjà disposés, afin qu'elles puissent être fortifiées, encouragées, nourries, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, en tout cas, nous saluons bien sûr tous ceux qui représentent le pays, les députés, les sénateurs, le préfet de la Martinique, nous cabénio toutes, les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, les pompiers, tous ceux qui sont là, même les et ceux qui sont vraiment aux dispositions du peuple martiniquais, nous cabénisons au nom de Jésus. Amen. Nous cabénis également la jeunesse martiniquaise, nous cabénis les personnes âgées, nous cabénis, Seigneur Dieu, tout le personnel du côté dans les hôpitaux, les infirmiers, les médecins, les spécialistes, les sages-femmes, nous cabénisons tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vraiment que Dieu vous bénisse pour le travail que vous effectuez. Et bien sûr, nous qu'a béni la parole de Dieu.
Alléluia. Elle est déjà bénie, mais nous avons béni parole bon Dieu, en disant chez nous, pour que bon Dieu vraiment transforme nous, pour que l'évangile, vraiment, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, fait un travail en disant nous, pour réellement nous sortir dans le sommeil, de la léthargie, et que nous rentrer réellement dans l'activité, comme Zorobabel, bon Dieu t'es réveillé et t'es actif. On nous prépare le bon Dieu dans l'évangile de Luc chapitre 24. Et c'est Jésus qui a parlé là. Et qui a parlé par ses disciples là. Il a dit comme ça. L'évangile de Luc chapitre 24 verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ouais, depuis les psaumes, nous avons parlé de Jésus. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia! C'est ça que Dieu veut faire pour toi en 2023, que Dieu puisse ouvrir ton esprit afin de comprendre les Écritures. Les Écritures, c'est la Bible. Les Écritures, c'est la Sainte Bible. Et il leur dit, verset 46, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Il annonçait, c'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il fait. Et que, je reprends, et il leur dit ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Virgule. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voilà, bien-aimés, Martinique, Guadeloupe, Guyane, vous êtes témoins dans le monde entier, puisque nous n'y en site internet, le Péway, il y a affiché là, Parole bon Dieu, qui a continué à sous grâce et vérité. .fr. Allez en live, mes chers amis. Il y a chaque jour, il y a des pensées. Il y a la pensée du jour. Il y a des clips. Il y a des enseignements. Il y a toutes les émissions précédentes. Si vous avez raté, eh ben, vous pouvez également, eh ben, les partager, les envoyer à des amis, à des envoyer à des personnes qui connaissent pas encore l'évangile. C'est comme ça l'évangélisation qu'a faite ou qu'a cimé. Hein? Eh ben, voilà, nous créons un site pour vous cimer l'évangile, pour vous cimer la bonne nouvelle. Grâce et vérité.fr. La puissance de Dieu, l'évangile. Jésus vini du nous comme ça. Voilà le non-non vraiment de l'évangile. C'est que la repentance et le pardon du péché soient prêchés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, chers amis. Jésus vini pour ça. Pour vraiment que la repentance et que le pardon du péché soient prêchés. Aujourd'hui, chers amis, tu peux être pardonné de tes péchés. Tu peux être vraiment recevoir le pardon de Dieu. C'est vrai que dans ta vie, on ne t'a jamais pardonné. Ton père, ta mère ne t'ont pas pardonné. Ton mari, ta femme ne t'a pas pardonné. Tes enfants te tiennent rancune. Même tes collègues de travail t'ont responsable parce que tu as fait une faute. Peut-être que tu as fait quelque chose. Par inadvertance, tu as causé des situations un peu délicates et on t'a gardé rancune, on t'a collé une étiquette, nous pas qu'à pardonner. Nous pas qu'à pardonner. Parce que tu es fautif, parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Mais aujourd'hui, je suis venu t'annoncer que Jésus-Christ est prêt à te pardonner. Là où toutes les portes ont été fermées, là où toutes les portes ont été fermées pour toi, tu as cherché vraiment qu'on puisse t'écouter, qu'on puisse te comprendre, qu'on puisse trouver pour toi, je dirais, des circonstances atténuantes, qu'on puisse trouver pour toi une possibilité de dialogue, une possibilité de pouvoir t'exprimer, une possibilité de pouvoir donner ta version des faits. Dieu permet réellement ce jour que tu puisses t'exprimer. Et il est déjà tout prêt à te pardonner. Il est déjà tout prêt à t'absoudre. Il est déjà tout prêt à t'affranchir. Et il est déjà prêt à te libérer. Aujourd'hui, chers amis, la repentance est là.
L'évangile est là pour annoncer tout simplement la repentance et le pardon des péchés. Les Magavini à Soukaimte, eh bien, c'est à notre disposition l'Esprit à la Magavini. Prêcher la repentance. Christ crucifié, Christ ressuscité. Un Christ qui est mort pour tes péchés, tes iniquités, tes transgressions, et qui te redonne la vie. Parce que son sang a coulé. Pour que tes péchés soient effacés. Pour que tes fautes soient effacées. Pour que tes iniquités soient expiées. Eh bien, Jésus-Christ l'a fait pour toi. Voilà la bonne nouvelle pour toi en 2023. Il est temps de se rapprocher de ce Sauveur. De ce Sauveur qui libère. De ce Sauveur qui affranchit. De ce Sauveur qui expie tes péchés. De ce Sauveur qui efface toutes tes iniquités, tes transgressions. De ce Sauveur qui est là, qui s'est offert lui-même comme sacrifice perpétuel. Parce que son sang coule. Every day, every time. Et son sang coule permanent. En permanence, chers amis. Et ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha a une signification. A vraiment, c'est un sang précieux. Et ce sang-là, la parole de Dieu nous dit que c'est par tes meurtres ici que nous sommes guéris. Mais ce sang-là également nous donne la vie. Et la vie pour toi aujourd'hui, elle est là. Et Dieu veut aujourd'hui, comme nous dit la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » À toutes les nations. Voilà, ses amis, la repentance et le pardon des péchés prêchés à toutes les nations. Qu'est-ce que tu fais du message de la repentance? Aujourd'hui, tout homme naît pécheur. Depuis le jardin d'Éden, chers amis, depuis Adam, lorsque Dieu lui a donné les recommandations, tu ne mangeras point du fruit de l'arbre de la connaissance. Et puis finalement, qui s'est passé? Vous autres connaissez Bithéan. Il a été séduit par Ève qui l'a invité à manger le fruit. Par cela, chers amis, il y a la désobéissance, le péché est entré dans le monde. Chers amis, le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam. Ce qui fait que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, tout homme qui naît sur cette planète Terre naît avec cette nature pécheresse, avec cette nature adamique. C'est un héritage. Mais par la grâce de Dieu et par le plan du salut, le plan que Dieu a mis en place, qui est situé dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque, quiconque, ça c'est important, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Sainte-Lucie, Haïti, Afrique, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le plan du salut qui s'est mis en place afin de permettre à l'homme qui naît avec cette nature pécheresse, cette nature adamique, d'être plongé dans l'eau et de renaître comme une nouvelle créature, une nouvelle plante et de marcher en nouveauté de vie. Dans la sanctification et dans la vérité afin d'obtenir le salut. Chers amis, et pour cela, ce qui est important pour nous en cette année 2023, faut pas nous ni pièce caravane derrière de nous qu'à suivre. Faut pas nous ni pièce bagaille qui qu'à suivre nous, qui qu'à empêcher nous avancer. Ce qu'on appelle les vraies casseroles. Faut pas nous ni casseroles qui empêcher de nous avancer, chers amis. Et pour couper tous les liens des casseroles qui veulent s'agripper à nous, eh ben, chers amis, il nous faut pardonner. Il nous faut pardonner afin réellement d'être libérés. Il nous faut pardonner afin d'être affranchi. Il nous faut pardonner afin d'être béni. Chers amis, on a laissé cette année 2023, il nous faut pardonner. Il nous faut pardonner parce que on va venir nous offenser. Il nous faut pardonner parce qu'on sera dans des situations un peu délicates où vraiment, on va chercher vraiment à nous faire sortir de nos gonds.
à nous faire sortir de notre paix. Songez Moïse. Moïse qui était un homme fort, patient, ses amis. Devant Rochéa, pourtant, bon Dieu dit, t'es pas allé par Rochéa. Mais il était tellement irrité par le peuple d'Israël qui était vraiment dans une sorte de rébellion, dans une sorte de vraiment de murmure, que lui-même, bah, est rentré en Didon, au mieux de parler au rocher, il a frappé au rocher. Bon Dieu glorifié quand même, de l'eau a coulé. Mais, il a failli. Et cette année 2023, il ne faudra pas qu'on puisse faillir. Mais il faudra réellement qu'on puisse pardonner. Pardonner afin qu'on soit libéré. Pardonner afin qu'on puisse renvoyer libre. Alors le mot pardon, c'est vrai que pardonner, c'est un mot que sur certains, on devient allergique. Hein. Sur certains, on pète un câble. Sur certains, vraiment, on pète les plombs. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, il veut pas que tu puisses péter les plombs, ni que tu puisses péter un câble, mais que tu puisses rester en paix. Et cette paix qui va te libérer, qui va t'affranchir, qui va te mener à cette sérénité-là, c'est lorsque tu vas entrer dans l'application de la parole de Dieu. Pardonner. Pardonner, c'est quoi, chers amis? Eh bien, c'est le fait de renoncer à ses droits. Ah ouais, on fait ça, on fait ça. Eh bien, on doit faire ça aussi. Eh bien, tu vas renoncer à tes droits de te venger, au droit de te justifier, au droit vraiment de pouvoir dire, ben, dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Ah ouais? Le droit de te faire justice, toi-même. Repardonner, c'est ça, chers amis. C'est renoncer à tes droits. Tu renonces. Le gars dit, ben, ça fait rien. C'est pas grave. Renoncer à te venger parce que la personne t'a fait du mal. Renoncer à te venger parce que la personne t'a trahi. Renoncer à te venger parce que la personne a révélé tes secrets que tu lui as donnés et elle les a révélés sur la place publique. Renoncer à punir, à te faire vengeance toi-même. Tandis que Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel, ou même qu'a dit, ah bon, comment c'est comme ça? M'a qu'a tiré, manteau l'évangile, m'a qu'a géré, m'a qu'a... Attention, actuellement nous qu'a ouais. Eh bien, pardonner, chers amis, c'est renoncer à ses droits. Tu renonces. Tu laisses aller. Regardez avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et le verset 38. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, le verset 38. Gardez ça, bon Dieu, gardez-nous là. Je t'assure, émission KMT, parole bon Dieu, tous les dimanches matin à 5h, à 7h. Et puis en rediffusion le lundi soir à 17h. Je peux vivre et garder l'émission à les sites internet là, graceetvérité.fr. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 38. Regardez ça, bon Dieu, gardez-nous là. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Voilà, chers amis, tu renonces à tes droits parce que tu veux plaire à Dieu. Tu renonces à tes droits parce que tu confesses et tu proclames que tu es un enfant de Dieu. Si tu professes et que tu proclames que tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre selon la parole de Dieu. Non selon ta propre justice, non selon ta propre vengeance, non selon ta propre pensée, mais tu dois soumettre ta pensée à la... Ah ben tout simplement, et soumettre ton esprit à l'esprit de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, voilà, c'est Jésus qui te dit aujourd'hui. Qui m'en est pour marcher. C'est Jésus qui te dit qui m'en est pour parler. C'est Jésus qui te dit qui m'en est pour comporter corps. C'est Jésus qui te dit comment tu dois faire. Et c'est là la transformation, chers amis. C'est là le commencement de la gloire de Dieu dans ta vie. Et bon Dieu, garde-nous encore plus loin. Verset 43.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà ce que Jésus te dit de faire en 2023. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est ce message que Dieu veut opérer en toi, qui veut déposer dans ton cœur, et que réellement cette parole puisse prendre vie en toi. C'est cette opération que Dieu veut faire pour te transformer, transformer ton langage, transformer ton attitude, transformer ta façon de voir. Tu avais appris qui c'était œil pour œil, dent pour dent, mais Jésus qui a dit qui monnait pour vivre sous kakoué en Jésus qu'on a dit tous les jours. Ah oui, moi c'est un enfant de Dieu. Hein? Ah oui, ouais, ouais, moi c'est un enfant de Dieu. Hein? Ok, eh bien Jésus va vérifier si tu es un enfant de Dieu lorsque tu vas mettre ses paroles en pratique. C'est pas nous tout dit, je suis un enfant de Dieu. Et c'est pour ça, mon Dieu, Kadou, que c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, ses amis. On peut dire ceci, on peut dire cela, on peut dire beaucoup de choses, il n'y a pas de problème. Bouchou, c'est à ou qu'a dit ça, ouvrez. Mais Jésus, lui, il t'attend sur le fait, quoi. Il t'attend sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la théorie, là, c'est de la pratique. Regardez avec moi, chers amis, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. L'Épître aux Romains, chapitre 12, chers amis. Mais oui, parce que tu sais, on arrive au money time, chers amis. Là, nous arrivons au dernier temps, hein, au dernier quart d'heure. Il faut que nous savions. Déjà, Jésus est à la porte, chers amis. Il faut que nous savions qui monnait nous y est, qui monnait nous agit, qui monnait comportement nous nie. Vraiment. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ah, mon enfer, moi, le carré, ah, vous comprenez comme ça, moi, qu'avoir le double. Ah, ben, mon Dieu, quand comme ça, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si c'est possible, parce que des fois, ni des situations que vraiment, il n'y a pas de possibilité, que veux-tu que je te dise. Mais mon Dieu, quand s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, pas va y manger. Non, non, non. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, pas bail de l'eau. Non, non. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà, chers amis, mon enfant mal. Eh bien, on a fait du bien. Et à un moment, t'as là mon homme même qui est rentré dans sa propre conscience pour dire, mais monsieur, différent. Maman, gaz mon bamissier. Moi, maman, c'est bon gazi. Mon maman, c'est bon bagaille pour être tranquille. Et qu'a fait moi du bien toujours. Il a dit ma belle bonjour. Mais c'est pas possible. Mais c'est différent. Ah, mais c'est mon Dieu. Mais voilà, chers amis. Parce qu'il faut qu'on voit la différence. Parce que si tu agis comme le méchant, mais quelle différence Dieu va faire? Mais alors, quand on dit soi-disant sans enfant de Dieu, sans chrétien, ou quand on agit même manière qui méchant, où est la différence? Chers amis, on regarde les paroles de Dieu dans le premier livre des rois. Ah, il faut qu'il y ait une différence qui soit marquée. Il faut qu'il y ait une différence qui soit notifiée. Il faut qu'il y ait un bitin qui fête, chers amis. Ah oui, chers amis. Changez, regardez-nous pour un exemple dans la parole de Dieu. Tenez un missier dans la parole de Dieu. Akab, chers amis. Akab, il est là. Et puis finalement, il a convoité un terrain. Et il est prêt à tout pour ce terrain. Et sa femme, là, déjà, là, monté la tête. Elle a déjà monté un stratagème, un plan diabolique, satanique, pour pouvoir acquérir un terrain qui patao.
Mi bagay, hein? Terrain pata ou lay. Terrain pata ou lay. Où est voisin yon l'auto ou acheter même l'auto à qui? Ou un collègue yon paix soulier ou acheter même soulier à qui? Jalousie. Ses amis. Et ce roi Akab, ses amis. Bon, là, moi, je prends un exemple là pour me montrer que même si vous êtes dans une situation là, même si vous avez marché dans la jalousie, même si vous avez marché dans le œil pour œil, dent pour dent, même si vous avez fait mal, même si vous avez tombé bien bas, même si vous avez tourné dos bas bon Dieu, même si vous avez fait des bagages qui sont dangereux, Dieu est capable dans sa grâce et dans sa miséricorde parce qu'il est compatissant, parce qu'il est le bon Dieu, parce qu'il est souverain. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu est capable de te pardonner. Même si la société ne t'a pas pardonné, Dieu te pardonne aujourd'hui. On regarde ça, Bouddhika, bon dis-nous là, dans le premier livre des rois, chapitre 20, T1, verset 25. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Où t'en parle d'Allah? Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal. Peut-être toi qui me regardes aujourd'hui, dans ta conscience, dans ton subconscient, dans tes pensées, tu es rongé par le remords. Tu es rongé par ce que tu as fait dans ta vie, parce que, la vengeance que tu as exercée à l'égard de ton voisin, la vengeance que tu as exercée à l'égard même un membre de ta famille, la vengeance que tu as exercée, le mal que tu as fait. Parce que ça qui a passé, c'est que Satan a poussé à venger, Satan a poussé à faire le mal, et puis après que nous l'agions, là, clac, boum! Quand il dit, mon Dieu, qui ça fait là, mon Dieu? Vous a failli. Vous a failli. Parce que c'est Satan qui t'excite à te venger. C'est Satan qui t'excite à tuer, à faire le mal, à nuire à ton prochain. Avec également ton accord, bien sûr. Eh bien, Akab, ça qui passait, il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Akab a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme qui est à ses côtés, Omé dit, mais non chérie, arrête avec ça. Non, il a excité encore. Il a agi de la manière la plus abominable. Vous entendez le poids des mots? Akab a agi de la manière la plus abominable. En allant après des idoles, comme faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il mettait un sac dans le corps, il déchirait les vêtements et puis il mettait le corps à terre et il a jeûné. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Il t'a demandé, mon Dieu, pardon. Il t'a humilié, Koy, parce qu'ils savent ça, il fait. Comme toi, tu sais ce que tu as fait. Même si autour de toi, personne ne sait ce que tu as fait, mais dans le. Ni des mouns qui savent. Vous qui savent, bon Dieu savent. La société pas savent, mais bon Dieu savent, vous savent. Et ça qui passait, Akab, il a parlé bas, il a révélé son état, ce qu'il a fait. Il s'est servi du prophète Élie pour révéler ce qui passait. Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le petit chite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Est-ce où est qu'il manie Akab qu'à descendre? Est-ce où est qu'il manie Akab qu'à marcher lentement? Est-ce où est qu'il m'a à cap déchirer vêtements et n'y en sacant les deuil? Est-ce où tant qu'il m'a dit qu'à demander moi pardon? Est-ce où tant? C'est ça, mon Dieu, qu'a dit. As-tu vu Akab? As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie.
Parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a épargné. Parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a gracié. Parce qu'il s'est humilié, Dieu lui a fait une grâce exceptionnelle. Ah ben, il en sera de même également pour toi. Si tu t'humilies, si tu vraiment te repens à l'image d'Akab, Dieu est prêt et a le cœur disposé, parce que c'est lui le bon Dieu, à te pardonner et à te faire grâce. Chers amis, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu extraordinaire. Nous capons notre passage, dernier passage là, parce que l'heure a monté, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 33. Nous toujours dans la dimension du pardon, chers amis. Ça va montrer vraiment que l'eau qu'a demandé bon Dieu pardon, bon Dieu capable d'y pardonner. Deuxième livre de Chroniques, chapitre 33, verset 1er. Manassé, mis encore l'autre roi qui fait bon bitin, bon bêtise. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 50 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Gardez ça, bon Dieu, gardez-nous là. Verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Et ils le lièrent avec des chaînes d'airain et ils le menèrent à Babylone. Sentence, bon Dieu, qu'a tombé. Peut-être vous-même ou dans chaîne line. Peut-être vous-même ou marré là. C'est-à-dire que, ou pas marré physiquement, c'est-à-dire ou pas ni menotte en bras. Mais c'est-à-dire que depuis au marré, dès le moment au marré, c'est-à-dire j'ouvre ou en ouais, tout ça au fait pas réussi. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il s'humilia profondément, ses amis. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alléluia! Regardez le chemin extraordinaire que Manassé a, je dirais, effectué. Il a fait des choses abominables, il était aveuglé, il était vraiment dans les ténèbres, il était ennué. Il a fait des choses incroyables. Et puis finalement, Dieu a envoyé des ennemis qui l'ont mis dans des fers. Et là, ils l'ont lié dans des fers. Il a galéré. Ils le jetèrent dans des chaînes, chers amis. Et lorsqu'il fut dans la détresse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est souvenu de l'Éternel. Comme toi aujourd'hui, peut-être que finalement, tu es dans une profonde détresse. L'an est fini, commencé, vous êtes dans la détresse. L'an est fini, commencé, vous êtes au rouge. L'an est fini, commencé, vous êtes tête en bas. Tu ne sais plus à qui te confier, tu ne sais plus à qui te fier. Bagaille la chaud, bagaille la cabrilé. Mais fais comme Manassé. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora à l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu qui est assis au-dessus des cieux. Il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissant fléchir. Alléluia! Tu as cette possibilité aujourd'hui de faire fléchir Dieu par tes prières, par tes supplications, par tes lamentations, par tes cris, par tes larmes, tu peux toucher le cœur de Dieu et incliner son cœur en sa faveur. Incliner son cœur en ta faveur ce matin, ce jour, l'Éternel est prêt à fléchir, est prêt à te tendre la main pour te dire, c'est vrai que tu es dans les fers, c'est vrai que tu es dans la galère, c'est vrai que tu es dans la détresse, c'est vrai que tu es presque à l'article de la mort, mais je suis capable de te saisir, je suis capable de te relever, je suis capable de te donner la vie, parce que la vie coule dans mon sein, dit l'Éternel.
Ça, les hommes, pas qu'à penser. Ça, la société, pas qu'à penser. Il dit, ah non, monsieur Dala, mademoiselle Dala, nothing for you. I am by. Bon Dieu fait. Bon Dieu fait, ça veut dire que Dieu, du fumier, il retire l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, peut-être que tu es dans un fumier ou dans caca, excusez-moi l'expression. Tu es vraiment au fond du trou. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, il carale. Et qu'à fort assure et puis les grands. Et là, à un moment là, la société quasiment va rebondir dans le fond, dans le trou. Mais qui vous dit qu'il faut y monter? C'est le bon Dieu qui fait. Ou tu es peut-être à l'article de la mort. Bon Dieu qui a ressuscité. Ou tu es peut-être dans une voie de succession d'échecs. Bon Dieu qui a ouvert la porte de la réussite. Ou tu es peut-être seul. Bon Dieu qui a être à deux et même multiplié ou qui a enfanté. Bon Dieu capable. Bon Dieu capable. C'est bon Dieu qui a fait. Vous avez écouté la musique là. Bon Dieu fait. Ça n'est pas ce qu'il a pensé. Ça n'est pas ce qu'il a fait. Bon Dieu fait. Bon. C'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez, c'est...